jusqu'à ce que les mourir en bataille, il faut que toujours à veiller dans le rameau. Parce que si on soufflette qui marque toute vie dans le rameau, c'est soufflette ça que le débat devant tout le monde. Vous écoutez le matin débat. Général de la police là. Dans Milamo, c'est un policier. Il a des ennemis au sein même de la police nationale d'Haïti. Il a également des amis. Mais j'espère que Joseph vous comprenne ça. Donc là, on parle de ministre, encore pas la guerre qu'on a la rue. Parce que vous avez fait du tort en fait à ce policier, à ce directeur général. Et de fait, vous faites tort avec un parti de la police. Haïti Police. Léon Charles, nommé comme le nouveau directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Comment sera-t-il accueilli à la police nationale d'Haïti? À quoi peut-on s'attendre? Émission Martin Débat, c'est émission pays. On nommé une deuxième fois. Ouais, nommé une deuxième fois, oui. Oui, la deuxième fois. La deuxième fois, ok. Ok, Martin Débat, c'est émission pays. Je crois que jusqu'à présent, pas gagné nous dit dans Martin Débat qui va arriver. Parce que, comme je dis, madame, monsieur, le recul que nous gagnons, nous permettre que nous comprenons très vite ce qui est arrivé à partir de informations. Également, fait que nous gagnons sous table, les nous à analyser. C'est pas comme si Nando et Aon Moun nous t'ai parlé qui dit que non, Milgram ou Balbet dit pour ça, non? Non. C'est pas Moun nous t'ai parlé, c'est mon information de nous. Et ça fait une analyse, elle nous pas affirmatif. C'est un cas d'intervention, président, toujours fait. Et puis, j'ai entourage président à parler plus au niveau du palais national et au niveau de la primature. Et on a compris très vite. Quel que soit le premier changement dans le pays, il y a un monde qui a couru changer. L'IRL est non, Milgram. Il y a un monde qui a couru changer, c'est non, Milgram. Parce que dans le cas d'interview que nous avons avec le président de la République, ouais, il était responsabilisé, donc le directeur général de la police. Et après l'interview, en reconduisant le président donc, de sa voiture, donc il faut faire ça. Et le président dit nous encore, monsieur, l'invitez nous, relais chef police là, invitez le pour venir poser question, pour venir répondre question matin débat. Relais ministre justice là, relais yo, puis venir répondre question matin débat. Ministre de l'Intérieur, voilà. Le ministre de l'Intérieur, invitez le pour venir répondre question matin débat. Alors, sur cette insistance, j'ai compris clairement que le président Jovenel Moïse, en fait, a un malaise avec cette chaîne de responsabilité avec justement cela. Il y a même qui enchaîne, qui pour la sécurité dans le pays, en particulier le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Nominamo. Et dans deux mains, où on fait analyse là? Eh bien, analyse là, l'on te fait lui, nous te retournons sur lui encore le lendemain. Et nous te dit clairement, Ramo, prenons un complot et l'on seul soutien. Et soutien, ça a son monde de bout d'allié qui est l'ambassade américaine. Parce que. On m'a dit américain avant, les États-Unis avant bien maintenant tout. Elle est c'est tout ou bon, oui. Pas trop pour parce que américain pas n'a fait loser, non. Ok, façon winner, oui. Américain pas n'a loser. Ok, si américain ouais que ou a perdu, il pas perdu avant. Il pas perdu avant. Et de fait, madame, monsieur, donc, c'est arrivé. Non, Milgramo, donc, a perdu son poste. Non, Milgramo. N'est plus directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Et l'installation de M. Léon Charles est prévue ce matin. Donc le nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti répond au nom de M. Léon Charles. Qu'on a nous allons analyser ce qui a passé, madame, monsieur, dans le pays. Et ça fait une bonne question matin. Hein? Comment sera-t-il accueilli à la police nationale d'Haïti? Comment sera-t-il accueilli? Est-ce que M. Léon Charles sera à la hauteur de sa tâche, de cette lourde responsabilité? Je dis à tout le monde, j'ai gardé, il y a gardé, donc qui ça, Léon Charles va porter?
Donc, comment PNH a pas la gueule, Pierre Mandelot? Vous écoutez bon. Matin Débat. Je prends exégé normal. Alors, loco, dimanche là, moi j'étais dans le garage et puis moi rencontré deux jeunes Kinskoff. Cap dit que comment que la famille normal qui ça voulait dire en roi fait mat. Qui ça voulait dire dans zone Kinskoff fait mat. Et les dim étant comme ancien professeur pas simplement normal Rameau, il dit tout frère que magistrat que tout monsieur était fait coup dans collège Denis Diderot. Li dim li pa rekonèt moun ki te nan DCPJ, c'est ça? On poul pa ka fè dezòd an wa fè mat. Si tellement présence monsieur ça te bay sécurité nan zon sa, li pa rekonèt Ramon sa comme directeur général. Très bien. Et en pile moun je dis pas il pas comprendre comme professeur il dit même comme professeur si tellement non famille ça yo monsieur ça c'est même 3-4 qui passait comme professeur dans collège Denis Diderot a dit que son famille qui gont pile respect et puis cap goumé pour zone la sécurité pour ceci là lui ouais Rameau normal rivé directeur général il va reconnaître directeur il va comprendre. Et te gen yon jeune qui dit que qui bien avec ou et c'est la guerre Jean Hébert qui était là tout monsieur a parlé avec moi maintenant gen des nouvelles nous gen bon ici a di moun yo ça déjà là n'a parlé nous n'a fait débat c'est pas tout et pas ça nous dit nous connaît souvent nous connaît plus mais nous choisit font écart nous choisit pour n'a suivre gon moment tout. Oui, parce que il y a des moments, il y a des débats pas dit. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, faut tant de moments. Parce que tant que ce matin débat t'as dit dans moment que ambassade américaine vient rive au moment il pas ca kembe, il pas ca supporter, pas capable. Rameau encore. Ouais. C'est pas qu'on est nous pas de connaît. Ouais. Nous pas dit rien parce que même si nous dit c'est pas notre chef n'a pas suivre, ça autorité à faire. Mais ça fait un bon bout de temps que ambassade américaine effectivement t'es la game, monsieur. Lâché parce que. Je parle de walk-law, je parle de tête dure, je parle de. Monsieur Patin de Moun, de parcours, conseil, on sait que de bail comme ça. Maintenant, pour Léon Charles, sous deuxième voyage, li, nous rappelons en 2004, hein, lorsque le mouvement contre Aristide, là, c'est Léon Charles qui était bénéficié, tête la police. Là. Louko. Moi t'ai trouvé un côté ensemble avec Léon Charles. Lorsque coup de fil monsieur Taptenna et les ça c'est la pleine nous était en côté ensemble hein. Monsieur reçoit un coup de fil là il dit ah me déplacer l'heure arrivée. Monsieur déplacé il était obligé de déplacer. Et nos gages nous était nous a pris là fait camion. Ouais. Maintenant, Konya Louko, si Léon Charles, après 2004, ça veut dire après le mouvement contre Aristide, si c'est monsieur qui a assuré tête TNH là, le pas dans la tête la police encore, Konya Fodou, il a cherché qui raison. Est-ce que retour là, pour le permettre à ce que la police là vient pisserer. Est-ce que le taléa, est-ce que pas de gain d'ennemis qui créé en dedans la police là? Ouais. Ça dit que faut qu'on garde retour pour voir comment le café est sur le cas bien ajusté. Est-ce que si monsieur était une série de monde comme ennemi, était considéré comme ennemi, est-ce que lui-même lui grandit? Parce que après ça, il était venu en primature, responsable sécurité. Vous après ça, il voyageait. Et nous, il représentait le gouvernement et dans plus haut niveau dans la diplomatie. Donc, qu'on y a là, est-ce que c'est président
comme l'été représenté gouvernement au niveau de diplomatie, est-ce que c'est président qui a capacité l'autre monde l'été gagné yo en fait voisin monde qui gagne gros intérêt dans question de sécurité dans pays yo pas d'accord l'autre monde yo, est-ce que c'est Léon Charles, est-ce que c'est président Vinavel ou bien c'est étranger? Pas connait. Donc là encore faut nous poser question pour nous garder retour parce que c'est sous deuxième fois là pour le directeur général de la police. Est-ce que dans la police comment police accueilli retour là? Très bien. Là c'est Jean qui t'a quitté là pour ta ouais ou bien Jean, je te remercie en tout cas. Vous écoutez matin débat. C'est tout bien ça pour nous garder. Mais en termes d'expérience, ou qu'a dit que gain expérience puisque il était occupé poste là déjà, il retournait. Les cas corrigés de dicté à plus ou moins, Louko, si tu es foncé des erreurs, c'est sûr qu'il ne peut pas le faire encore. Donc c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc même pas, c'est là pour nous regarder. Et bon, tout le monde d'accord, tu as un problème la police. Est-ce que c'est Rameau vraiment que tu as un problème là? Est-ce que chef Li, qui c'est. Parce que il y a trois chefs, même si pas t'avais les mettre président là-dedans, de toute façon, président c'est numéro un. Mais c'est le premier ministre et le ministre de la justice. Très bien. Est-ce que c'est monsieur son là où il était dans mi-temps? Est-ce que c'est lui même qui pas j'aime capter ou bien yo bal toute bagaille yo ouais que li pas ka bay service? Nous pas connaît. Ouais, toute question ça faut que vous posez. Très bien. Est-ce que parce que nous pas ka garder simplement directeur général là pour nous pas premier ministre? Très bien. Pour nous pas ministre justice là parce que c'est deux en fait président côté le campé a c'est garder la garder comment trois moun ça travaille. C'est clair. Et là pour le reprocher que lui est le premier ministre puis dit mais c'est toi maillon important parce que voilà en termes de sécurité dans le pays et puis quatrième dans ce ministre intérieur mais vraiment c'est premier ministre avec ministre de justice là. Bon, en tout de toute façon nous mêmes qui ça nous besoin c'est service résultat et nous t'aider ça passé dans week-end dans la pirette route nationale qu'on n'a pas même les route nationale. Nous avons gagné un proche, une personne qui était kidnappé et dans l'autobus qui était sur le Port-au-Prince, ça c'est Clairvaux. Nous avons fait parler avec elle. Très bien. Et parce qu'elle aussi était dans le bus là. Oui. Ouais, t'es gagné deux personnes chansons dans le bus là. Ouais. Et donc, c'est tout ça, moi je pense que. Il y a travail. Nous avons ces services, nous besoin. Nous avons des gens qui ont service là. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui ont des populations à service là. Donc, c'est avec elle, mais de toute façon. En tout cas, moi même travailler comme ça depuis ben là va marcher. Mais même façon pas comme si nous songer installation qui vous écoutez Delma, matin débat. Non même joie d'installation, désinstallation et on réinstallation. Commissaire Delma 33. Mais depuis là Michel alors et Gabo tombé. Gabo tombé. Oui, depuis là ça. Non ça c'est depuis là ça il est tombé. Moi même pas comme ça le tap tant notre et bien la chance parce que c'est dommage que et nèg ici yo attaché trop à poste. Donc qui l'a attaché à poste, c'est lorsque ou sent ou confortable avec collaborateur yo, avec ensemble de monde qui entoure yo. Si ou pas confortable ou pas obligé rester maintenant gen monde qui ka dit yo pas faire lâche courir quitter job etc. Mais même j'aime te dire là avant hier et faut moun n'importe moun qui dans tête PNH là depuis il pas gain moyen politique li l'a toujours pas gain résultat. Maintenant il est un fait que nous t'a garder situation sécuritaire paysan nous ouais que tu as un problème kounya qui bon problème dans t'es est-ce que c'était Normil Rameau qui t'es problème non est-ce que c'était seulement la PNH qui t'es problème non mais ils sont fait que tu as un problème parce que est toujours un problème parce que nous moun pas ca circuler dans pays là. Kounya Léon Charles j'ont dit le matin son monde d'expérience qui vient continuer au travail qu'il a commencé. Maintenant est-ce qu'elle voit le moyen politique li? Mais gon aussi remarque que me fait rapidement nous songe sur Michel-Ange tout monde a dit et nous constaté il était un malaise entre le président de la République et le DG de la PNH. Même problème là de venir poser avec Normil Rameau. Maintenant la question qu'on doit se poser qu'on est en droit de se poser est-ce que ce nouveau DG est le DG du président de la République. Si c'est pas DG pas lié. Si c'est force il faut forcer le nommer. Si c'est si on est seulement arrêté hein, pas le même problème yo, parce que moyen politique là depuis pas une cohabitation entre chef yo, depuis chaîne pas une cohésion, depuis chaîne pas une entente,
même garantie ces populations qui a toujours payé parce que sécurité c'est un ensemble, c'est stratégie, c'est pas des examens qui va sécurité seulement. C'est stratégie liée. Parce que généralement mon nous pas exam c'est lui même qui fait sécurité. Sécurité c'est stratégie, sécurité c'est intelligence, mais depuis le moyen politique, bon, tout le monde j'ai dit le matin, toute population là son seul bagage n'attend résultat. OK, bon, et dans demain matin dans tout dans Josué. Mais nous allons aller en profondeur donc sous nouvelle nomination ça également sous nouvelle révocation ça. Je dis à Haïti nous carrefour qui est très difficile et situation très complexe. Vous écoutez Matin Débat. Et la question de la sécurité et de l'insécurité. Je dis à l'Ivignon, défi en fait pour les autorités, que ce soit sur le plan du gouvernement, du côté du gouvernement, que ce soit du côté des autorités policières. Ivignon, défi. Pendant que quelques côtés ont amélioration de courant, quelques côtés ont pas vraiment qu'à manger, mais les gens sont en sécurité. Tout le monde en paix. Ouais. C'est comme si nous regardons que le pays n'a pas vraiment de problème. C'est pour dire que qui Jean Jodi a peuple haïtien, il a besoin de retirer ça comme souci là quand il et qu'il pas senti l'insécurité. Donc il a un stress qui envahit chaque jour, la vie avec un stress, donc il a besoin de retirer ça dans tête lui et il a besoin justement que autorité policière yo, que autorité gouvernementale yo, en fait que yo prenne responsabilité. Yo. Madame monsieur, un poste de directeur général à la tête de la police nationale d'Haïti. C'est un poste en fait apolitique. Mais de fait, c'est pas vrai. Théoriquement, là. Théoriquement, c'est pas vrai. Parce que je dis à vous, on est le directeur général de la police. Faut que vous ayez un flair de politicien. Et si vous avez un flair de politicien, il faut que vous entourez de monde qui s'y connaît, en fait, en la matière. Parce que vous n'êtes pas capable de directeur général de la police dans le pays d'Haïti. Pour parler aux politiciens. C'est vrai que son job technique est lié, mais pas seulement technique. Les politiques également. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nomil Rameau qui fait que vase l'a débordé et que le président donc, était obligé de prendre la décision parce que tout le monde fâché. Mais en fait, depuis là, Premier ministre Joseph Jout t'es demandé pour Nomil Rameau choisir entre vocation, démission et nomination, équation liée. C'est pour le débat Joseph Jout. Il y a une réponse comme chef. Et puis il démissionné. Et c'est pour le débat Joseph Jout, réponse en figure, dans boule figure. Et ceci devant le président de la République là. Depuis jour ça. Monsieur Tap sorti par la grande porte. En seule phrase, Tap mérité. Comme directeur général. Je démissionne. Vous écoutez. C'est pour le débat de foot. Réponse en figure. Devant le président de la République le même jour. Et puis il quitte pour ça. Parce que depuis le ça, Nomil Rameau, tu es un collimateur, en fait, Premier ministre. Et qui dit Joseph Jout, dit Jovenel Moïse. Je dis non, qui est clair, on toujours connaît. Comme il déclare son Joseph Jout fait l'ambé, il y a puis Jovenel Moïse qui est campé d'elle. Donc qui dit Jout, dit Jovenel Moïse. Le Joseph Jout fait déclaration ça, en présence de Rameau, pour insulter à ce point. C'est parce que justement, quelque part entre le président et le Premier ministre, parole directeur général là, t'es parlé, et il y a un point sur lui, et que d'accord, quelque part, sous point ça, mais maintenant, tout, et que monsieur n'est pas compétent, monsieur n'est pas capable de résultat, pas rien capable de besoin de monsieur. Donc, en fait, on nous suit, monsieur, même pas prêt à monsieur. Et ça, frère, le Premier ministre, t'es point devant, et puis où elle t'a fait, et dégâts ça qu'elle t'a fait, donc, sous la personne de Rameau. Et me pensais que Nomil Rameau, je le dis ce matin, à ceux-là qui sont donc proches du Premier ministre Joseph Jout, comme c'est nègre tout le monde lié, habitué avec nègre naïf, je lui donne ce conseil ce matin. Jusqu'à ce qu'elle mourir en bataille, mon capitaine d'émission, ça va, Joseph Jout, message à moi d'abri. Vous écoutez Matin Débat. Jusqu'à ce qu'elle mourir en bataille,
faut toujours veiller Normile Rameau. Même s'il n'est pas premier ministre encore. Jusqu'à ce que les mourir en bataille, faut qu'il toujours veiller Normile Rameau. Parce que si on soufflette qui marque toute vie Normile Rameau, c'est soufflette ça que le débat devant tout le monde. Vous écoutez le matin débat. Le général de la police là. Normile Rameau, c'est un policier. Il a des ennemis au sein même de la police nationale d'Haïti. Il a également des amis. Mais j'espère que Joseph Jout comprenne ça. Donc là, pas vingt ministres, encore pas la guerre qu'on en a eu. Parce que vous avez fait du tort en fait à ce policier, à ce directeur général. Et de fait, vous faites tort avec une partie de la police.